Paul. Comment tu vas? Et toi? Ça fait plaisir. Ça fait quoi? 5? 6 ans? 8. Tu m'as pas attendu, j'étais au presbytère. Non, vos églises sont magnifiques. C'est vrai. On va marcher. Avec plaisir. Je te suis. Je suis retourné sur nos terres en France, en Bretagne. Rien n'a bougé. Tout est resté intact. En 20 ans. Ouais. Je suis jamais retourné, moi, sur les terres de l'enfance. J'ai le temps. Après le déménagement de mes parents, tout s'est accéléré. Et on est venu s'installer là, à Paris. D'ailleurs, tu vois, j'ai jamais retrouvé la foi simple qu'avaient les fidèles à la campagne. Tu parles des croyants de couche populaire? Ouais. Tu te rappelles de mon oncle? Lequel? Jean. Le prêtre. Ouais. Ouais. À la retraite maintenant, d'ailleurs. Il me racontait qu'avant, ils étaient souvent invités à déjeuner le dimanche. Il allait chez les uns et les autres. C'était très naturel. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Tu vois, l'Église catholique est peut-être devenue, par certains endroits, un peu trop élitiste. Elle s'est détachée de sa base. Ouais. C'est pour ça que nous autres catholiques, on en vit parfois, là. Cette ferveur très vivante que vous avez, vous, les chrétiens orthodoxes. Tu sais, la réalité est un peu différente. Beaucoup de pays slaves sont en déclin dans leurs pratiques religieuses, c'est vrai. Bon, mis à part la Roumanie. Et l'orthodoxie souffre comme le catholicisme.